Me donnerez-vous votre main, jeune fille? Pas de soucis, elle ne sent rien. Voilà, j'ai terminé mon œuvre. Allez, voyons si ça marche. Luna, mais qu'est-ce que c'est que ces mains? Qu'importe, j'arrive enfin à manger. Ça a l'air bien pratique, bravo. Tina, regarde ça. Regarde ce qu'elle fait. On met du sirop de maïs dans du soda. Il ne se voit même pas. Ensuite, on met le tout au frigo. On attend. C'est prêt. Ce n'est plus du soda. On doit essayer. J'ai le sirop de maïs. C'est exactement le même. Que la partie commence. Je verse. N'aie pas peur. Ça se mélange bien, hein? Ajoutons du colorant alimentaire vert. Le mélange se colore. Super! Attends, je vais ajouter quelques paillettes. Voilà, pas trop, hein? Parfait! Il ne reste qu'une chose à faire. On mélange! Santé! Laissons le tout reposer. À tout à l'heure! On n'a plus qu'à attendre. Prête? Ça semble pas mal. Passons le test ultime. Prêt, feu, pressé. Ça marche. On dirait un bonbon au Sprite. Regarde le mien. Les paillettes étaient une super idée. Allez, on échange. C'est la dernière lettre. Tu as pris ton temps. On peut se détendre maintenant après ce dur labeur. Qui a laissé une balance ici? Ça ne peut pas faire de mal de connaître mon poids. Il doit y avoir une erreur. Je savais que je n'aurais pas dû prendre ce donut. Je dois faire quelque chose. Tout doit disparaître. Il ne faut pas que j'aie de tentation. C'est une zone sans bonbons. Mon tour de taille me remerciera. Que des encasses. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais prendre un selfie. Oh, une notification. Une soirée de Noël sans bonbons? Elle est sérieuse? Bon, ça reste une soirée. Mais bon, il doit bien y avoir un moyen d'amener des bonbons quand même. Ça vaut le coup d'essayer. D'abord, je vais faire fondre ces sucettes. Ensuite, je vais verser le mélange dans cette coque de téléphone. Ça fait joli avec ces différentes couleurs. Maintenant, je laisse sécher. Un bonbon secret. En aucun cas, je ne mange du céleri ce soir. Salut les filles! Tu es venue! Tiens, un bout de céleri! Oh! Bon, je dois aller m'occuper des autres, mais n'hésite pas à reprendre du céleri. Et il y a aussi des tomates. Mon téléphone a l'air tellement bon. Je peux goûter? Oui, partage. Ne t'inquiète pas, j'en ai plusieurs. Tiens! Oh, merci beaucoup! J'adore! Hein? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il se passe? Elle lèche des coques de téléphone? Oh, il faut que je change d'amis. Mais si elles le font toutes, je devrais le faire aussi. Je ne comprends pas. Tu vas bien? Quoi? Oh, rien! J'ai trop hâte! C'est la soirée dont on parle partout! Coucou, ma belle au bois dormant! C'est l'heure du petit-déj. Un bon pudding fait avec amour. Burk, je ne mange pas ça. Je m'en vais. Plein de bonnes choses. Elle est passée où? Reviens là. Ton pudding va refroidir. Arrête. Nana, tu peux pas m'attraper. Ici, derrière toi. Ça suffit. Mets ça. Un t-shirt? Je suis prise au piège. Je n'aime pas ça. Du bon pudding. Le petit avion arrive. Nom, nom, nom. Burk! Gentille fille. Je ne sais pas pourquoi, je n'y ai pas pensé avant. Ah! Quelle belle matinée. Mais les choses importantes d'abord. C'est quoi ça? Ne me dis pas que c'est de la vieille cire d'oreille séchée.
Burke, ça vient d'où en plus? On se croirait dans une maison hantée. Tu ne vas jamais en croire tes yeux. Pardon, je ne t'entends pas. Mais c'est super sale! Alors, c'est ça d'être coloc? C'est du beurre de cacahuète? Oh, elle va voir ce qu'elle va voir. Je peux me contenter de ça. Ou alors, je peux en rajouter une couche. Va pour le doigt! Hé! Mon oreille est super bouchée! Il doit y avoir un bouchon de cire. Je l'ai! Ça fait beaucoup de cire, tu ne trouves pas? Tiens! Non, merci! C'est si crémeux! On dirait un goûter! Oh! Je crois que je vais vomir! Ça lui servira de leçon! Waouh! Cette fête est géniale! Salut les amis! Hé, vous m'entendez? Écoutez-moi! Regardez, j'ai du fromage! Et j'ai une fontaine! What? Ça va être incroyable! Regardez! Je n'ai qu'à l'allumer! Ah! Oh non! Waouh! C'est complètement fou! Ah! Du fromage volant! Tu caches tout! Courez! Il y a du fromage partout! Tiens, ça s'est arrêté! Je suis désolée, j'ai trouvé cette idée sur TikTok. Tu vois, ça avait l'air d'être génial. Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Je crois que je vais choisir non. Hé, hey, ça a bougé. Pourquoi est-ce que ça ne reste pas en place? Oh, bon, d'accord. C'est sûr que je vais te battre. Non, on n'a plus de pop-corn. Je reviens tout de suite. Il y a forcément quelque chose par là. Mais non, regarde-moi toute cette nourriture. Du soda, des chips et une pizza. Dis donc, ça fait beaucoup de choses. Hé, aide-moi avec tout ça. Je suis en plein combat avec le boss. J'ai besoin de ton aide. Je ne veux rien faire tomber. Non, ça tombe. Ah! Attaque de nourriture! Je t'avais dit que j'avais besoin de ton aide! Désolée, je vais t'aider. Attends une seconde. J'ai une super idée. Je reviens tout de suite. Bon, j'ai cette bouteille de soda. Et bien sûr, j'ai mon vieux pistolet à colle. Mais je vais juste utiliser la chaleur pour faire un trou dans le bouchon. Voilà, juste comme ça. Quand ça va refroidir, je peux faire passer une paille dans le trou. Quand c'est fait, on peut passer à l'étape suivante. Ajouter la pizza et les chips. Dis donc, ça donne envie. Et regarde ce que j'ai fait. Waouh, c'est incroyable. Je vais poser tout ça pour qu'on puisse attaquer. Prête? Bon appétit. Trop bon. C'est vraiment ma nourriture préférée. Je devrais devenir cuisinière. J'assure un max. Ah, enfin! On touille un peu. Parfait! Qu'est-ce que c'est? Ah, mon téléphone! Allô? Oui? D'accord! Waouh! C'est quoi cette odeur? Pas mal! Mais il manque quelque chose. Ça devrait être mieux. Elle revient. Ok, super! À plus tard! Je crois que c'est prêt. Maintenant, je vais le mettre dans les moules. Parfait! J'ajoute les bâtonnets et je n'ai plus qu'à attendre que ça durcisse. Elles ont l'air délicieuses. C'est prêt! Quel travail! Je suis fatiguée. Faut que j'aille me reposer. Oh, oh, oh! Ah, quel bel arbre! Il ne lui manque que de jolis cadeaux. Allez, à la maison suivante! Tout ce travail donne faim! Mais tiens, c'est quoi qui sent si bon? Ça me rappelle la cuisine de la mère Noël.
Des sucettes. Le Père Noël adore les sucettes. Attends, il m'en faut aussi pour plus tard. Ça devrait suffire. C'est délicieux. Un goût très particulier. Ça pique, ça pique! Je m'en vais. On ne me reverra plus ici. Tu as entendu quelque chose? Le Père Noël est passé! Waouh! En même temps? Qu'est-ce que c'est ça? C'est jaune! Oh! Vert! Quoi? Je pense que c'est le mien. Échangeons! Bonne idée! C'est mieux! Waouh! D'où ça vient? Ça a l'air tellement bon! J'ai hâte de le manger! J'adore les gâteaux! Oh! On devrait le décorer. On aura besoin de ça. Et ça? Toute ma tête rentre dedans. On le met dessus. Et maintenant pour le glaçage jaune? Hé! Hey! Arrête! On va utiliser du glaçage vert. Quoi? Tu es folle? Il n'y a qu'une seule façon de régler ça. Exactement. Chacune fait la moitié du gâteau. Une touche de jaune. Et surtout du vert. Nous ne pouvons pas oublier la décoration. Et j'en ai des verts. C'est beaucoup mieux. Prête? Waouh, ça a l'air si bon. J'ai hâte de le manger. Pourquoi attendre? Trop bon! Je me demande quel est le premier défi. Une seule façon de le savoir. Allons-y! Oh, du caviar! Quel délicieux amuse-bouche! Normalement, c'est le personnel qui le fait pour moi, mais je vais m'en charger. Rien que le meilleur pour mon petit. Tout simplement divin. Ça a l'air bon. Du pain tout simple. Ce n'est pas si chouette. Peut-être que je peux l'améliorer un peu. J'ai compris. C'est exactement ce que je vais faire. Pimenter le tout. Beaucoup. Je vais ajouter des petits points pour que ça ait l'air chic. Beau et régulier. C'est fait. Ça fait classe. Hé, hey, regarde, j'ai aussi du caviar, tu en veux? C'est un beluga? Bien sûr, pourquoi donc? Profite! C'est... piquant! Ah! Peut-être que tes goûts ne sont pas assez sophistiqués pour ça. Pourquoi fait-il si chaud? Peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Je dois faire quelque chose. Tiens, prends cette eau. Oh, merci! Ok, ce n'est pas si mal. Merci, maman. Ce n'était pas très sympa. Aucune idée de ce dont tu parles. J'avais beaucoup trop soif. Il y a quelque chose à boire par là? Ah, ça commence mal. Et tu as trouvé ça où? En plus, c'est mon jus de fruits préféré. Je peux avoir une gorgée? Non! Prends-en un pour toi! Pff, quelle radine! Dans ce cas, je vais m'en prendre un pour moi toute seule! Ouais, moi toute seule! À quoi ça avance d'être aussi égoïste? Je devrais peut-être lui donner une leçon. Il me faut juste de quoi rallonger ma paille. Une fois la paille insérée dans le tube, il faut la faire aller le plus loin possible. Et c'est maintenant que le spectacle commence! La paille est bien fixée. Hé, Lily! Tu veux voir une astuce? Comment tu... Je fais passer le jus par mes oreilles! Attends, c'est possible ça?
par mes oreilles. Tu m'as piégée. Maintenant, je dois me laver les cheveux. J'espère que ça lui apprendra. Oh, il me faut un grand café. Salut, maman. Tu veux un petit déjeuner? Céréales, céréales, céréales. Ok. Tiens. Je vais prendre un bol. Attends. Pas de bol. Oh, il faut que j'achète un lave-vaisselle. Je peux peut-être utiliser cette cuillère. Non. Burke, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que si je… Je sais! Un petit coup là et un coup là. Maman! Presque fini! C'est bon! Et maintenant le lait! Un bol tout propre! Voilà ma chérie! Dis donc! Merci maman! Un énorme bol de céréales, c'est pour moi! Ne bougez pas pour que je puisse passer le détecteur. C'est bon, vous pouvez y aller. Suivant. Stop! Vous avez des bonbons. Peux pas vous laisser entrer. Pas de bonbons. On ne savait pas, promis. Mettez-vous sur le côté. Oh, allez! Hé, je sais comment on peut entrer avec nos bonbons. C'est une idée géniale! Vous avez des bonbons sur vous? Hé, c'est quoi ça? Pardon, je passe. Y'a rien à voir. On y est presque, pas de stress. Pourquoi tu t'es arrêtée? Oh, je peux vous aider? Parlons-en. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas de bonbons. J'étais sûre que ça marcherait. Plan B? Bonjour, videur qui fait peur. Vous pouvez m'aider? Je suis perdue. Il faut que j'aille au magasin. Vous êtes là. Et le magasin est vraiment juste ici. Des bonbons. Plus un geste. Marche arrière. Oh. C'est sans espoir. Le videur est trop malin. Une petite minute. Donne-moi ce gâteau. Je sais! Je vais le mettre sous ma robe et l'attacher avec cet élastique. Je vais en mettre un autre ici. On dirait que la robe est faite comme ça. Dis donc! Ça, c'est malin. Je vais le distraire. Regarde! Compris! C'est parti! Encore vous? J'aime bien votre robe. Hé, donnez-moi cette sucette. Ah, vous êtes méchant. Allez, entrez. Une bien bonne sucette. Tout métier a ses avantages. On a réussi. En beauté. La langue en bonbon a bien fonctionné. Tina, regarde ça! Le grille-pain est couché. Elle fait des tartines de fromage grillées. Et ça ne coule pas. C'est une super idée. On essaie? J'ai toujours de la place pour des toasts au fromage. On y va! Et si on faisait comme ça? On sort deux tranches de pain et on met du fromage par-dessus. Tu vois, c'est exactement pareil. Des toasts, ce sont des toasts. Ça devrait aller vite. C'est brillant. À mon tour. Cette méthode est beaucoup moins compliquée et je n'aurai pas à nettoyer la plaque après. Prenez place. Ça chauffe vite. Le fromage fait déjà des bulles. Waouh, vous avez vu ça? Le fromage a parfaitement fondu. Ça sent le brûlé. Tina, tu ne sens rien? Mes toasts! J'ai oublié le four! Oh non! Waouh, ça n'a pas bien marché, on dirait. Le four était trop fort. Vous avez besoin d'aide? Je vais éteindre cet incendie. J'arrose!
Ça devrait suffire. Tout est réglé, mesdemoiselles. Était-ce vraiment nécessaire? Eh, il m'en reste une. C'est vrai que j'ai faim. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ce soda? Mais qu'est-ce que... Incroyable! Je sais pas, on peut pas simplement verser le soda normalement? Oh, ok, je comprends maintenant. Et là, tu as renversé du soda partout. Je vais nettoyer. Waouh, c'est vraiment incroyable, Tina! Je sais, on essaye ce gadget maintenant? Ok, on met cette partie sur le goulot de la bouteille. Et voilà, c'est bien serré. Et maintenant, on peut utiliser le bec pour verser la boisson. Génial, ça n'a rien renversé du tout. Ah, voilà. Oh, d'accord, j'ai compris. Eh, on essaye ça? Il faut que je mette mes lunettes. Tu veux que je te l'ouvre? D'accord, si tu insistes. Regarde un peu, ça marche! C'est super cool! Incroyable! Moi aussi, je veux essayer! C'est vraiment rigolo! Et après, elle ne me croyait pas du tout! C'est dur! Fais une pause! Oh, des chocolats! Ça me remontera le moral. Je vais en prendre un discrètement pendant que ma mère ne regarde pas. Je ne crois pas. Jamais de la vie. Il y a beaucoup trop de sucre là-dedans. Maman, allez, j'ai faim! J'ai dit non, c'est non. Tu es incontrôlable. Si tu as faim, tu peux manger quelque chose de sain. Des flocons d'avoine? Sérieux? Oh là là, je vais être en retard. Juste une petite vérification de maquillage, c'est bon. Passe une bonne journée, on se voit plus tard. Salut! Oh maman, ton maquillage! Attends un instant, ça me donne une idée. Je vais juste retirer tout le maquillage de la palette et maintenant je vais ajouter les nounours dedans. Parfait, un dans chaque carré. Ensuite, je prends mon sèche-cheveux. Il faut que je fasse fondre ces ours. Oh, ça vient! Ça s'est bien passé! Oh, elle arrive! Je vais manger cette barre-ci! Oh là là! Mais qu'est-ce que je t'ai dit? C'est juste que j'ai tellement faim que je pourrais manger ce maquillage! Trop bon! Qu'est-ce que tu en dis? Oh non! Maman? J'espère que tout le monde aime les chips. Ça devrait suffire. Les premiers invités, j'arrive. On est prêts pour la fête. Tout le monde est venu. Ne mangez pas tout de suite, les gars. Oh, ils ont fait une razzia sur ma table. J'en crois pas mes yeux. Il ne reste que des miettes! J'avais fait une si belle table! Ils ont l'air affamés! Non! Hé! Vous avez sauté le petit-déj ou quoi? Oh! J'ai vraiment failli y passer! Est-ce que j'ai quelque chose à leur donner? Peut-être là-dedans? Ouh, je les avais oubliés! Mais pour nourrir tout ce beau monde, je vais faire des gaufres aux bonbons! Plutôt jolie, n'est-ce pas? Place un bâtonnet dans chacune des sections. Comme ça, les gens pourront tenir leur goûter. Et quelques minutes plus tard, des gaufres aux bonbons! Superbe! Les amis, ne me mordez pas! Une petite faim? Appétissant, n'est-ce pas? Je crois que ces zombies sont contents! Ouf! Il m'en reste même une! Délicieux! Prêt?
prête pour une après-midi sans téléphone? Moi, je sais vraiment comment faire la fête. Hein? Kevin m'appelle? Qu'est-ce que je choisis? J'imagine que je dois choisir Kevin. Coucou, ça va? Attends un peu, s'il te plaît. Oh, mon bonbon préféré! J'ai trop de chance! Parfum fraise citron en plus, mon préféré! Oh, c'était ma sucette! J'en veux plus maintenant! Je m'en veux maintenant! Tu vois cette boule en plastique? Ouvre-la et remplis-la avec tes bonbons préférés! Maintenant, fais une goutte ici au pistolet à colle et place un grand bâton dessus. Emballe ensuite la sucette avec ton papier favori. Lizzie? Toujours déçue pour ta sucette? Que penses-tu de ces deux-là? Elles font un bruit de maracas, non? Ça me donne envie de danser! Elle est à toi! Impossible que tu sois encore en colère contre moi! C'est la plus grosse sucette que j'ai jamais vue! Ouvre-la! Oh, j'ai tellement faim! J'aimerais avoir ce burger en ce moment! Non, il y a de la pizza sur cette chaîne! Quoi? Un steak? Pourquoi? Oh, quel incroyable sandwich! Je crois que la télé me déteste! Oh non! Elle pleure! Est-ce que tout va bien? Oh! Allez, allez! Ne pleure pas! Oh, pas étonnant que tu sois contrariée! On va empêcher la télé de te contrarier! La TV n'est pas ton amie! Cela t'aidera à te protéger de ces méchantes publicités! Très bien, il est temps de se calmer maintenant. Pourquoi tu ne te lèves pas et viens avec moi? Aïe! Oh là là, ce que tu es drôle et intelligent! Merci, merci. C'est que j'ai quelques tours dans ma manche. Par exemple, regardez ça. Mon pouce va disparaître. Tada! Mais ne vous inquiétez pas, je vais le remettre. Oh, c'est super impressionnant! Waouh, on dirait que ces filles adorent ça! Donc ça signifie que si j'apprends la magie, je serai populaire moi aussi! Ok! Donc j'ai une boîte de tic-tac et un surligneur. Je peux certainement faire un tour avec! Je vais toutes les faire tomber avec ça! Tout ce que j'ai à faire, c'est colorier la boîte transparente. Mais attention à ne pas colorier l'étiquette. Et je n'oublie pas les coins. Mon tour est prêt. Hé, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez mes tic-tac à l'orange. Eh bien, ce sont maintenant des tic-tac à la menthe. Wow, comment il a fait? Ce mec est un tueur. Enfin, je veux dire, on s'en fiche de ton tour. Salut. J'ai trouvé ton tour de magie super! Ça a marché! Salut, j'adore les tic-tac à la menthe! Tu en veux un? J'en ai tout plein!